All rise. Veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir. Excellences. Excellences, il y a 9 ans, 11 hommes et 7 femmes se sont réunis pour prendre leurs engagements solennels et devenir ainsi les premiers juges de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, alors que 6 de nos 18 juges actuels verront leur mandat prendre fin demain, 5 nouveaux juges sont venus prendre leur engagement solennel à leur tour pour les remplacer. Malheureusement, notre 6e nouveau juge n'est pas en mesure d'être parmi nous aujourd'hui. La juge Myriam Defensor Santiago prendra son engagement solennel plus tard. Nous avons hâte de l'accueillir. Et dans l'intervalle, nous lui présentons l'expression de nos meilleurs vœux. Les 18 juges de la Cour sont le reflet de la diversité extraordinaire des États partis au statut de Rome. Ils viennent de chacune des principales régions du monde, personnifiant une variété très riche de cultures, de langues et de traditions judiciaires. À chaque fois que nous sommes réunis pour cette cérémonie, la Cour a fait des pas en avant. Nous avons aujourd'hui plus de situations que jamais en cours d'enquête ou faisant l'objet de poursuites. Nos 2 premiers procès sont proches de leur conclusion. La première décision finale au titre de l'article 74 du statut de Rome, est attendu pour la semaine prochaine. S'il en résulte une condamnation, nos premières procédures en réparation suivront, et nous pouvons nous attendre plus tard cette année à nos premiers appels. Des échéances importantes nous attendent. La Cour est désormais une institution qui fonctionne pleinement et une partie bien établie du système global de justice internationale. Ce qui ne signifie pas que nous pouvons nous reposer. Alors que nous nous rapprochons du 10e anniversaire de l'entrée en vigueur du statut de Rome, nous devons tirer les leçons de notre expérience jusqu'à présent et envisager comment nous pouvons améliorer la façon dont nous travaillons. Nous devons nous assurer
que les ressources mises à disposition par nos États parties sont utilisées aussi efficacement que possible. Nous comptons à présent 120 États parties, deux fois plus que le nombre minimum requis pour que le statut de Rome entre en vigueur. C'est là le signe important de notre réussite jusqu'à présent. Pourtant, plus de 70 pays ne font toujours pas partie du système du statut de Rome. Donc il reste encore beaucoup à faire avant que nous puissions dire que nous nous rapprochons de l'universalité, qui est l'un des objectifs du système du statut de Rome. Je suis heureux que l'ambassadeur Intelman fasse de cette question l'une de ses priorités personnelles en tant que présidente de l'Assemblée des États parties. En tant que Cour, nous sommes également très conscients du fait que pour pouvoir répondre à nos responsabilités judiciaires au quotidien, nous dépendons complètement du soutien et de la coopération pratique de nos États parties. Et j'aimerais saisir cette opportunité pour réitérer notre profonde gratitude pour toute l'aide que nous recevons et pour appeler nos États parties à continuer à donner à ces efforts le caractère prioritaire qu'ils méritent. Excellence, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans la principale salle d'audience de la CPI parce que le statut de Rome requiert de nos juges, tout comme de nos procureurs, greffiers et de leurs substituts, qu'ils prennent leurs engagements solennels publiquement. Il est donc convenable qu'ils le fassent ici. Nous devons toujours nous rappeler que la justice est fondamentalement une question de personnes et que ce n'est qu'en salle d'audience que ces personnes se rencontrent face à face, juges et accusés, défense et accusations, témoins et victimes. Et quelle que soit la préparation, quels que soient les documents que nous étudions en amont, rien ne peut remplacer cet engagement personnel. Donc c'est dans ce lieu si particulier que je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue aux 5 juges qui, dans quelques instants, prêteront un serment solennel et deviendront ainsi juges de la CPI. Le juge Howard Morrison, le juge Anthony Carmona, la juge Olga Herrera Carbucha, le juge Robert Fremer et le juge Chile Eboué Osuji. Ce faisant, j'aimerais également rendre hommage aux 6 juges dont le mandat prendra fin demain. Elizabeth Odio Benito, Judge Fatoumata Diarra, Judge Adrian Fulford. La juge Elizabeth Odio Benito, la juge Fatoumata Diarra, le juge Adrian Fulford, la juge Sylvia Steiner, le juge Daniel Nsereko et le juge Bruno Cotte. Chacun d'entre eux aura laissé une empreinte distinguée et durable, aussi bien sur les travaux quotidiens de la Cour que sur ses évolutions au cours des dernières années. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. J'aimerais également rendre hommage à mes collègues de la présidence de la Cour, la vice-présidente Fatoumata Diarra et le vice-président Hans-Peter Kohl.
En plus de leur travail normal de juge, ils ont contribué avec énergie et très activement aux tâches qu'incombe à une présidence. Cela a été un grand privilège et un grand plaisir que de travailler si étroitement avec eux. Les responsabilités d'un juge sont grandes et requièrent un engagement personnel particulièrement fort. Et ceci est repris dans l'engagement solennel que nous faisons tous. Les juges actuels et à venir travailleront tous ensemble pour renforcer l'état de droit et continuer de développer un système de justice pénale internationale dont la CPI et ses États parties pourront être fiers. Et ce faisant, nous nous souviendrons toujours de tous ces gens du monde entier, en particulier les victimes et les plus vulnérables, qui regardent cette cour les yeux remplis d'espoir et d'attente pour un avenir plus juste, un avenir meilleur. Excellence, conformément à l'article 45 du statut de Rome de la Cour, avant d'entamer leur mandat, les juges doivent prendre un engagement solennel en audience publique, s'engageant à exercer leurs fonctions de manière impartiale et en toute conscience. Et le président de l'Assemblée des États parties en sera le témoin. Il sera le témoin de ces engagements solennels. Et ces engagements touchent toute la Cour, et donc le procureur adjoint, le greffier, et ses adjoints sont également présents. Avant cette prestation de serment, j'invite la présidente de l'Assemblée des États parties à nous présenter son rapport sur l'élection des juges. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes assemblés ici pour l'engagement solennel pris par 5 nouveaux juges qui ont été élus en décembre par l'Assemblée des États parties que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Au cours de la deuxième décennie du 21e siècle, les crimes les plus atroces sont encore commis dans le monde entier. Des innocents sont soumis à des souffrances, à des tortures, à des mutilations horribles, à des crimes sexuels. Et trop souvent, la quête de justice reste sans suite, reprend l'interprète. Il est donc indispensable de poursuivre cette lutte contre l'impunité. Nous allons fêter le 10e anniversaire de l'entrée en vigueur du statut de Rome. Au cours des 10 premières années, nous avons créé la Cour, nous avons mis en place son cadre opérationnel et juridique, tout en répondant à de nombreuses critiques et en dissipant de nombreux malentendus engendrés par cette nouvelle institution. Nous avons travaillé avec diligence et efficacité afin de rendre la ratification du statut universel. Et je tiens à encourager un nombre supplémentaire d'États à rejoindre la famille du statut de Rome, afin de réduire le nombre d'États où les crimes ne font pas l'objet d'enquête. Dans quelques jours, la Cour va rendre son premier jugement. C'est une nouvelle étape et un événement que la communauté internationale attend. La réputation institutionnelle de la Cour et son rôle dans le système international dépendent de sa capacité à rendre la justice lors de procès équitables,
en application du statut de Rome. Rendre la justice dans les affaires présentées devant la Cour est un engagement délicat et complexe, et les responsabilités sont énormes. L'Assemblée des États parties a élu des juges au cours de trois cycles au cours des 9 dernières années. L'Assemblée a aussi assumé sa responsabilité en fournissant à la Cour l'appui qui lui était nécessaire dans de nombreux domaines, y compris un appui politique et diplomatique fort. Les États parties font des efforts supplémentaires pour permettre à la Cour d'avoir les ressources financières qui lui sont nécessaires. C'est un honneur pour moi d'avoir présidé la 10e session de l'Assemblée des États parties au cours de laquelle 6 juges ont été élus. Lors de cette 2e réunion qui s'est tenue du 12 au 16 décembre 2011, l'Assemblée a élu 6 juges de la Cour pénale internationale en application des dispositions pertinentes du statut de Rome ainsi que de la résolution ICC-ASP-3-RES6. Les candidats suivants ont été élus juges de la CPI: Anthony Thomas Aquinas Carmona, Miriam Defensor Santiago, Chile Oboe Otsuji, Robert Fremer, Olga Venecia Herrera Carbuccia et Howard Morrison. Au nom de l'Assemblée, je salue la venue de ces nouveaux juges à la Cour et je sais qu'ils s'acquitteront pleinement de leurs tâches. Je saisis aussi cette opportunité pour remercier les juges dont le mandat se termine. La Cour doit savoir qu'elle aura toujours le soutien des États parties, car nous sommes unis pour lutter contre l'impunité. Et je tiens à remercier en conclusion le Royaume des Pays-Bas, pays hôtes, pour le soutien apporté à la CPI. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Excellency. Je vous remercie. Madame l'ambassadeur, nous allons maintenant procéder aux engagements solennels. Donc, j'invite le président de l'Assemblée des États parties à superviser ce moment. Le juge Howard Morrison, s'il vous plaît. Mr. Howard Morrison. Monsieur Howard Morrison, l'Assemblée des États parties vous a élu juge de la Cour pénale internationale. Je vous demande de lever votre main droite et en application de l'article 51A du règlement de procédure et de preuve, de la règle 5.1A, de faire cet engagement solennel. Moi, Howard Morrison, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant aller signer votre engagement solennel devant Madame le greffier. Judge. Monsieur le juge Anthony Carmona, s'il vous plaît. Monsieur Anthony Aquinas Carmona, vous avez été élu par l'Assemblée juge de la Cour pénale internationale. Je vous demande de lever la main droite et en application de la règle 5.1a du règlement de procédure et de preuve, de prendre votre engagement solennel. Moi, Anthony Thomas Aquinas Carmona, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement,
en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant signer votre engagement devant Madame le greffier. Madame le juge Olga Herrera Carbuccia, s'il vous plaît. Madame Olga Venezia Herrera Carbuccia, l'Assemblée des États-partis vous a élu pour être juge à la Cour pénale internationale. Je vous prie de demander de lever la main droite et en accord avec la règle 5.1a du règlement de procédure et de preuve, déclarer votre engagement solennel. Je, Olga Venezia Herrera Carbuccia, déclare solennellement que je rempliquerai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai les caractères confidentiels des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Merci bien, vous pouvez signer votre déclaration en présence de greffier. Félicitations. Judge. Le juge Robert Framer. Mr. Robert Framer. Monsieur Robert Framer, l'Assemblée des États-partis vous a élu juge de la Cour pénale internationale. Je vous demande à présent de lever votre main droite et, conformément à la règle 5.1a du règlement de procédure et de preuve, de prendre votre engagement solennel. Moi, Robert Framer, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Merci. Vous pouvez à présent signer votre déclaration devant Madame le greffier. Le juge Chile Mboy Nsuji, s'il vous plaît. Monsieur Chile Mboy Nsuji, l'Assemblée des États-partis vous a élu juge de la Cour pénale internationale. Je vous demanderai de lever votre main droite et, conformément à la règle 5.1a du règlement de procédure et de preuve, de prendre votre engagement solennel. Moi, Chile Eboe Osuji, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, et en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Merci. Veuillez, s'il vous plaît, aller signer votre déclaration. Merci. Les déclarations solennelles des cinq juges de la Cour pénale internationale ont
ainsi été effectuées conformément à l'article 45 du statut de Rome. La cérémonie est ainsi levée. Veuillez vous lever.